Il a beaucoup changé déjà entre l'année dernière et cette année. Il sortait de l'entraînement de manière assez rapprochée l'année dernière quand il est arrivé, donc il a mis un peu de temps à s'adapter. On peut dire que sa vraie première saison, c'est un peu cette année, presque. Ah, il ressemble plus à un Ouais. étalon, c'est sûr, l'année dernière, mais bon, il a essayé une soixantaine de juments l'année dernière. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir des produits en Allemagne, en Angleterre, en Irlande et puis bien sûr en France. Donc essayer d'avoir une représentation un peu internationale. Et puis bon, c'est vrai que c'est en France, c'est un peu. En France, on a l'impression qu'on veut de l'évolution sans. Enfin, on critique un peu les choses un peu précoces ou la vitesse. Mais je pense c'est intéressant d'avoir un panel de chevaux un peu large. Après, chacun fait ses choix. Mais je pense que c'est quand même un cheval qui est intéressant pour le parc étalon français. Et on a eu quelques foals déjà là, au Haras dont on est très content. Et donc, c'est un cheval qu'on va continuer à soutenir. Et donc, voilà, mais c'est vrai que je suis content de pouvoir le montrer dans des meilleures conditions physiques aux éleveurs cette année que l'année dernière, et de voir qu'il a pu changer, c'est assez agréable.